Alors, vidéo sur le tuyau Kinzo Garden High Quality. En fait, d'ailleurs, il faut que je corrige sur la page. J'avais acheté, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, le tuyau de chez Action. Donc ça, c'est Action aussi. Mais rétractable. Et en fait, il s'avère que c'est un vrai fiasco. Parce qu'en fait, quand on l'utilise... Donc le tuyau en lui-même fonctionne bien. Hein, mais au bout de, allez, on va dire 5-6 utilisations... le tuyau, en fait, le tissu qui est sur le tuyau pète, se décroche de l'embout. Le tuyau qui est en dur rentre dedans. Et du coup, on peut plus le remettre. Donc en fait, c'est un achat inutile. Voilà, voilà. Du coup, on va ouvrir celui-là. Donc celui-là, il fait 18 mètres, 14 mm. Il a 6 barres et il y a 5 pièces. Et les 5 pièces, c'est ici. Voilà, donc je vais l'ouvrir parce que le plastique ça cache la voie et j'espère que celui-ci est un bon tuyau. Alors, il est ouvert, donc il a l'air long. Par contre, niveau superficie, j'avais pas fait gaffe, mais il est vraiment pas... je sais pas si vous verrez dans ma main, mais il est vraiment pas gros gros, donc... ma piscine, elle va se mettre 10 ans à se remplir, hein. Et les embouts, c'est ceci. Alors, je ne sais pas comment ça se met. Je ne sais pas s'il faut enfoncer dedans ou pas. Et est-ce qu'il y a un mode d'indication? Non. Enfin, voilà. Hein? On se débrouille comme à chaque fois. Pas de notice. Bon, je vais regarder comment c'est marqué et je vous redis ça. Les embouts sont comme ça. Je pense qu'il faut couper au niveau d'ici. Et ensuite enfoncer dans l'un des embouts qui est là. Voilà. Enfoncer dedans, je suppose. On va regarder ça ensemble. Il faut que je cherche un ciseau déjà. Bon, c'est un tuyau un peu casse-bonbon, mais en gros, ici, il faut couper. Et ensuite, il faut réussir à l'enfoncer dans le genre d'embout, là. Donc, il y avait l'autre embout, mais sans ce truc qui est bouché. Et là, je viens de l'enfoncer. Et ensuite, il faut refermer avec ça. Alors, je ne sais pas si je vais donner long feu à ce truc-là, parce que ça m'a pas l'air très durable dans le temps. On va essayer, on verra bien. Par contre, ma piscine, elle va mettre 10 ans à se remplir avec ça. À mettre les deux bouts, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va faire le test de l'eau, hein, voir si si déjà ça va pas se détacher et si en plus ça fonctionne. Donc, on va mettre lui dedans. Je sais même pas si c'est le bon bout. Si hop, on va prendre lui et on va ouvrir. Bah, ça sort pas. Pas mis dans le bon sens. Ah. On va attendre ensemble. Peut-être faut qu'il fasse tout le parcours. Peut-être je l'ai pas mis dans le bon sens. Attendez, je crois que j'ai pas mis le bon embout. Ça m'a giclé dessus, hein, forcément. J'en ai partout sur la tête, partout sur le mur, partout, partout, même sur le téléphone. Et j'ai mis dans l'autre embout et là on va essayer. Ah voilà, là ça marche. Enfin, ça marche. Bon, au moins ça marche. Donc pour le moment, on va dire que c'est un bon tuyau qui fonctionne. Maintenant, est-ce qu'il va aller jusqu'à la piscine? J'en sais rien, c'est un 18 mètres la distance, on verra une fois que j'aurai envoyé. Et puis voilà. Bon, excusez-moi, j'ai des tracteurs juste à côté de chez moi. On fera le test pour l'envoyer jusqu'à la piscine juste après, quand déjà j'aurai construit la piscine. Alors, concernant le tuyau, il va jusqu'à ma piscine, donc attendez, parce que... Hop, et jusqu'au tuyau là-bas. Donc il fonctionne très très bien. Il n'est pas, voilà, la puissance du jet, hein, vu la largeur du tuyau, il n'est pas très très gros. Par contre, il fait bien son job. Comme vous pouvez voir, il remplit la piscine. Qui n'est pas très droite, hein, vu qu'elle est plus remplie d'un côté que de l'autre. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter, ça fait toujours plaisir.